Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel Port, direct d'Aweb TV. Je me trouve à Kievi. On a déjà fait une interview, je crois que c'était la première exposition photo, on parlait d'Amérique. Là, on est déjà à la quatrième exposition photo, et on accueille M. Olivier Tailleux, bonjour. Bonjour. Alors, les photos, elles sont magnifiques. Vous êtes professionnel ou amateur ? Non, amateur. C'est juste la passion de la photo et de la nature. Alors, vous faites que... Là, c'est la faune de Mormal. Alors, je suis étonné parce que je ne savais pas qu'il y avait autant d'animaux à Mormal. C'est que du Mormal. Oui, là, c'est que du Mormal, ouais. Ouais. Est-ce que c'est difficile à prendre des animaux en photo ? Alors, tout dépend. On peut avoir de la chance, mais bon, il faut y passer du temps, en fait. Il faut passer du temps, il faut trouver les bonnes heures, en fait. C'est le matin ou le soir, c'est plus facile. Mais après, il faut surtout de la patience et puis une bonne part de chance. Alors, vous prenez toujours dans Mormal ou vous avez d'autres secteurs d'activité ? Bon, c'est essentiellement dans Mormal parce qu'il y a de quoi faire, en fait. Toute la faune est riche, en fait, dans cette forêt. Donc après, ça m'arrive, bien sûr, d'aller un peu partout quand l'occasion se prête. Mais essentiellement, c'est sur Mormal que je photographie les animaux. Ouais. Alors pour vous, c'est une passion ? Ah oui, c'est une grosse passion, ouais. Parce que j'en arrive à prendre les congés aussi pour le brame, pour faire les... Bon, là, avec la pandémie, il y a eu le confinement, tout ça, vous avez été heureux, vous ? Je ne pouvais pas sortir non plus. Donc j'ai attendu qu'on puisse sortir à plus de 10 km pour en profiter, quoi, c'est vrai. Alors, toutes les photos que vous exposez, bon, là, j'ai vu qu'il y avait des cartes postales. Est-ce qu'on peut les acheter ? Bien sûr, oui. Oui, oui, on peut les acheter au prix de 40 euros le tirage. Donc savoir, c'est un tirage professionnel sur aluminium, donc qui dure des années. C'est vraiment une bonne qualité de tirage. Et tout à l'heure, j'ai entendu le maire de Caudry qui vous posait une question, et c'est vrai, parce que quand on voit cette bébête de tout près, vous êtes à quelle distance d'un animal ? Celle-là, je suis à peu près de 2 mètres. Hein, parce que j'étais en affût pour les cerfs, et elle était en train de chasser, puis elle est arrivée presque à mes pieds, en fait. Donc c'est juste en me voyant qu'elle... Elle s'est sauvée, mais j'ai pu la reprendre plus loin, c'est pas vraiment échappé. Moi qui n'y connais rien en photo, à part les photos d'un appareil, d'un téléphone, je pense que pour les cerfs, pareil, vous êtes super équipé. Ouais, j'ai un bon boîtier hybride et qui peut monter en sensibilité, quoi, en fait. Et j'ai un zoom de 100-600 pour rapprocher, en fait. Ça permet donc d'avoir les animaux de près, mais sans les déranger, en fait. Alors, vous dites que vous êtes amateur, vous êtes parti d'un club, parce que pour avoir vos connaissances, il faut quand même apprendre. C'est sur le tas, je vais dire. On fait juste partie d'une association Objectif Mormal, où en fait, on est une vingtaine de photographes, passionnés, amateurs, et on partage comme ça nos photos de Mormal, et on les expose pour montrer au public voilà, toute la faune qui peut y avoir dans la forêt de Mormal. Très bien, alors on va rappeler, donc c'est là l'exposition vient de mettre en route jusqu'à 19h. Oui, c'est ça. Et demain, vous êtes ouvert donc de 10h à midi et demi et de 15h à 19h. En rappelant que l'entrée est gratuite. Et voilà, et puis le lundi, on accueillera les scolaires. Très bien, mais je vous remercie. Je veux dire Olivier, merci Olivier. Oui, merci à vous, pas de soucis. Et vous repartez quand dans la forêt ? Dès que je peux. Est-ce que vous serez présent demain pour expliquer oui, un peu aux gens ? Oui, je suis présent tout le week-end. Merci à vous, merci. Merci, merci à vous. Alors n'oubliez pas, hein, c'est à Kievi, donc c'est à la seule qui s'appelle Auguste Herbin. En rentrant dans Kievi, si vous venez de Caudry, c'est à gauche. Vous venez, l'exposition jusque dimanche soir, 19h, c'est gratuit. Bon, le port du masque, le pass sanitaire, mais là vous avez l'habitude. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis tout à l'heure sur le www.ledirect.webtv.fr et en intégralité également sur notre chaîne YouTube, qui a le même nom. Bonne journée à tous. Et ce soir, n'oubliez pas, il y a Caudry qui joue au volet, c'est un match capital.